Monsieur le Président, en mars 2014, le premier ministre nous a fait connaître sa doctrine en matière de droit linguistique. Il a dit dans un débat célèbre qu'il était important que chaque travailleur sur une ligne de montage connaisse l'anglais au cas où un acheteur d'Angleterre ou de New York vienne lui poser une question sur son produit. Alors évidemment, c'est le contraire de l'esprit de la lettre de la loi 101. Malheureusement pour les droits des Québécois, les juges fédéraux ont trouvé que l'idée du premier ministre était excellente. Et dans une cause qui a originé de Gatineau, des juges de la Cour d'appel et ensuite à la Cour suprême qui a refusé de voir la cause ont dit « il a raison ». Et on modifie la loi, l'interprétation de la loi, de façon à ce qu'une simple probabilité que l'employé puisse occasionnellement être amené à rencontrer une clientèle anglophone constitue désormais une nécessité au sens de l'article qu'avait écrit Camille Lorrain, pas du tout dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, on a déposé un projet de loi pour rétablir les droits des salariés francophones, puis pour dire aux juges fédéraux, n'écoutez pas le premier ministre, écoutez ce que les législateurs ont voulu faire. Alors, je demande au premier ministre aujourd'hui simplement de nous dire, ou bien il est content que sa doctrine fasse maintenant, soit dans la loi du lieu, ou est-ce qu'il va travailler avec nous d'ici décembre prochain pour rectifier les choses et rectifier, rétablir le droit des salariés francophones de travailler en français, sauf exception balisée. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ce droit n'est pas remis en question, bien sûr, un petit peu d'exagération de la part de mon collègue ici. Je vais quand même rappeler qu'après la loi 22 qui avait déclaré le français langue officielle du Québec, la loi 101, appelée également Charte de la langue française, a eu comme impact d'assurer vraiment la paix linguistique au Québec depuis cette époque. D'ailleurs, le dernier geste visant à la renforcer a été posé par notre gouvernement dans les dispositions touchant à l'affichage. Alors, effectivement, Monsieur le Président, depuis le début de l'adoption de cette loi, l'article 46 permet à un employeur, à moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance, donc il y a des balises, elles existent déjà, les balises dans la loi. Et Camille Lorrain, d'ailleurs, lors du débat sur cet article, et je vais le citer, affirmait « Il n'a jamais été question dans la loi d'imposer le français comme seule langue de travail. J'admets que si tel était le cas, cette politique serait à la fois peu réaliste et injuste, particulièrement dans le contexte d'une entreprise où la connaissance et l'emploi de l'anglais paraissent tout à fait justifiés. Il s'agit d'une question de dosage, d'une question de nuance, et c'est la raison pour laquelle nous n'en parlons pas dans le projet de loi. On reconnaît ici l'équilibre qui a permis à cette loi de traverser les époques et d'assurer la paix linguistique au Québec. Encore une fois, nous avons assuré la progression du français dans l'espace public avec l'affichage. Il y a de nombreux projets dans les milieux de travail, notamment pour les employés des entreprises de moins de 50 employés, qui vont faire en sorte de renforcer la présence du français. Il n'y a pas de crise linguistique, à moins qu'on veuille en créer une. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Notre réponse. Donc, le premier ministre est satisfait que des juges fédéraux aient mis dans la jurisprudence sa doctrine. Un employeur peut demander à tous ses salariés de connaître l'anglais au cas où quelqu'un le lui demanderait. Mais je vais lui dire qu'avant même qu'il confirme cette faiblesse, en 2008, 40 % des employeurs de Montréal réclamaient l'anglais. En 2012, 60 % des employeurs réclament l'anglais. Est-ce que lui, il veut que ce soit 100 % Monsieur le Premier ministre. Je comprends qu'on a peur de la langue anglaise du côté de l'opposition officielle. Là, je comprends, je vois bien ça, incluant les communautés de langue anglaise du Québec, d'ailleurs, notamment dans nos régions rurales. Et ce sont des communautés qu'on va soutenir, Monsieur le Président, je tiens à le dire, parce que leur statut minoritaire leur apporte des difficultés concrètes. Maintenant, je vais quand même répéter, encore une fois, qu'il n'y a pas de crise linguistique au Québec. La proportion de gens de langue anglaise qui connaissent le français est passée de 37 à 69 % entre 71 et 2011. Les allophones connaissant le français, c'est de 47 à 75 %. Il y a plein de provinces canadiennes qui prennent des initiatives actuelles pour renforcer la présence du français dans leur législation ou dans leur espace public. Alors, ça va bien, le français au Québec et au Canada. Les gens sont en sécurité. Ils se sentent confiants. Ce que propose le chef de l'opposition officielle, on le connaît. En période d'incertitude, le Québécois agit. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, on considère, donc on comprend bien que le premier ministre est satisfait d'une situation où 60 % des employeurs de Montréal disent « Si tu ne parles pas l'anglais, tu ne peux pas avoir de job à Montréal ». Il est satisfait de ça. Et il est satisfait d'apprendre, selon une étude de l'an dernier du Conseil de la langue française, que 44 % des salariés de la haute technologie à Montréal ne parlent que l'anglais au travail. Est-il satisfait? Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Président, le collègue me met des mots dans la bouche encore une fois, mais je comprends cette attitude du Parti québécois.
quand ça va mal de leur côté, on agite soit le chiffon identitaire, soit le chiffon linguistique, pour que le monde se sente inquiet, insécure, pour être certain que les gens soient persuadés qu'il y a une crise et une menace. Il n'y a ni crise, il n'y a ni crise. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il va y avoir une autre question qui va se poser dans quelques minutes. Monsieur le Premier ministre. Ni crise, ni menace. Notre nation est forte, confiante en elle-même. Elle n'a pas besoin des béquilles du chef de l'opposition officielle. Troisième complémentaire, monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, l'histoire retiendra que le Premier ministre du Québec aujourd'hui a traité la loi 101 de chiffon et de béquille. L'histoire retiendra ça et je vais le citer. Dans ce texte, il a complètement intégré l'usage de l'anglais dans nos entreprises puisque c'est écrit que les anglophones de la région métropolitaine bénéficient d'une assise institutionnelle, cégep, université, sièges sociaux d'entreprise. Monsieur le Premier ministre. Je comprends que le Parti québécois est terrifié par le monde qui nous entoure, Monsieur le Président. On le constate encore une fois, ils sont encore restés au siècle dernier. La loi 101, c'est une bonne chose. Il faut la préserver, il faut l'appliquer, Monsieur le Président, et elle apporte la paix linguistique au Québec. Ce que j'ai dit, et je répète, c'est quand ça va mal au Parti québécois, on peut être certain que les deux thèmes qui vont être mis de l'avant sont les suivants. On est menacé. Il y en a trois même. On est menacé, humilié. Notre identité est en danger. Notre langue est en danger. Les Québécois qui nous écoutent, les jeunes en particulier, ils ont confiance en eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de ce que dit le chef d'opposition.